De la danse ce matin, mais pas n'importe quelle danse. On va danser avec des nouveaux cours parfaits pour se lancer. Ça se passe à Bègles avec l'association Borderline Dancer, avec notre invitée Sylviane Kelmanovic qui est avec nous. Bonjour Sylviane. Bonjour. Eh bien, soyez la bienvenue. Vous êtes la présidente créatrice de l'association Borderline Dancer qui donc nous fait danser en ce début d'année. Un style de danse très original que vous nous proposez, Sylviane. Oui, alors en fait, nous pratiquons la line dance, oui, qui est ni plus ni moins que de la danse en ligne. Voilà. Mmh, c'est ça, d'accord, mais donc, ça veut dire quoi vraiment? Alors à la base, effectivement, quand on pense souvent à danse en ligne, on pense à country, parce oui, que bon, bah oui, c'est quand même un petit peu ce qui prévaut, surtout en Gironde, voilà. Oui, d'accord. Mais en fait, la country, c'est surtout une musique, c'est pas vraiment une danse, quoi, c'est une musique. Et nous... Pourquoi on l'appelle line dance? Parce que nous travaillons sur des musiques de variété, voilà, pas alors sur c'est... des musiques country. Voilà, c'est comme de la country, mais pas avec de la country, si on... c'est ça, pour bien vous suivre, parce qu'on est samedi matin, c'est un petit peu dur, donc on va essayer d'être clair. L'idée, par exemple, c'est vous danser en ligne, par exemple, sur du Ed Sheeran, des chansons voilà, modernes. Voilà, Ed Sheeran, Gims, Soprano, Luis Fonsi, beaucoup de latinos. D'accord. Alors moi, je prends souvent l'exemple, je dis, c'est un petit peu comme de la Zumba, c'est comme de ouais, la Zumba, sauf que c'est du travail chorégraphique et que l'on tourne sur les murs. C'est-à-dire que si on prend une pièce de 4 murs, la danse peut faire 2 murs comme elle peut faire 4 murs. D'accord. Donc, effectivement, sur le premier mur, on a l'animateur qui est devant, mm-hmm, mais quand on passe au deuxième mur, on n'a plus personne devant. Et si on ne fait pas travailler son cerveau, eh bien, on ne peut pas suivre. Voilà. Donc, c'est super complet, effectivement, Sylviane. Ce qui est aussi très intéressant avec la line dance que vous proposez, c'est qu'on peut danser quand on est adulte, mais aussi avec les enfants à partir de 8 ans. C'est même ça qui est sympa. Tout à fait. C'est intergénérationnel. Alors, effectivement, en France, les championnats, enfin, la partie compétition peut commencer à 4 ans, mais mm-hmm, 4 ans, c'est quand même un peu jeune. Hein. Moi, je pense que nous, la plus jeune a commencé à 8 ans. D'accord. Je pense que 8 ans, c'est bien, parce qu'il faut quand même assimiler les pas. Hein. C'est quand même mm-hmm, une suite de pas qui forme une chorégraphie. Voilà, donc, voilà. Et l'intérêt aussi de notre activité, c'est que, contrairement à, je ne sais pas, par exemple, un club qui ferait que du rock ou que de la bachata ou que de la salsa, nous, on travaille sur toutes les danses. Mm-hmm. On peut faire du rock, de la bachata, du tango, de la salsa, enfin, tout, voilà. Et tous les styles de musique, que ce soit du R&B, du funky, du latino, du cha-cha, en fait, tout. À partir du moment où il y a une chorégraphie, eh bien, on peut pratiquer, voilà. Et il faut un peu de musique et on est parti, Sylviane Kelmanovic, pour ces cours. Alors, vous, donner des cours, vous, à Villeneuve-d'Ornon, également à Talence. Et un nouveau cours le mercredi, salle du complexe Langevin, c'est à Bègles, de 14h à 16h. En deux mots, Sylviane, pour s'inscrire, on fait comment? Écoutez, on me téléphone, c'est le mieux, c'est le plus okay, simple. Et, un numéro accessible à tout le monde, un 05 56 85 26 49. Ou alors, pour ceux qui sont un peu plus doués, on va dans Google, on met voilà, Borderline Danseur, qui est le nom de l'association. Et puis, forcément, ça va sortir quelque chose. On met Bègles, oui, Talence. Oui. Moi, je vous ai trouvé, Sylviane. Alors, je pense qu'on peut vous trouver facilement. Et si à la maison, bah, vous n'avez pas eu le temps de noter le numéro, on l'a ici à la radio, vous nous passez le petit coup de fil 05 56 19 10 10, on vous mettra en relation avec Sylviane Kelmanovic, donc pour Borderline Dancer. Merci beaucoup Sylviane. Merci de nous faire danser. Merci à vous. On vous journée, souhaite une bonne journée également, un bon week-end en Gironde pour se faire plaisir. On va continuer de se faire plaisir aussi avec une idée de livre, une idée de lecture avec Clotilde.